Bien, rebonjour. Je vais vérifier si tout fonctionne correctement comme d'habitude avant de commencer. Ça a l'air d'aller sur Twitch, ça a l'air d'aller sur XSplit au niveau du son. Je vérifie une dernière fois, mais c'est propre. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! On va mettre la fenêtre du chat, et voilà, comme ça on est bien. Alors, effectivement, c'est la deuxième partie. Du premier stream fait ce matin concernant un spécial débutant, principalement pour poser les bases, vraiment les super bases d'une progression aux échecs qui, comme je les avais annoncé ce matin, était développer les pièces et qui est d'occuper le centre ou les ailes, mettre le roi en sécurité et puis voir si effectivement la structure de pion est saine ou en tout cas propre. Et sans aucune ambiguïté, alors après il y a les sacrifices, des choses comme ça, mais dans un premier temps, la base, pour les joueurs qui sont moins de, allez, moins de 1500 ou moins de 1400, ça peut être bien de respecter un certain nombre de principes de base, et la progression d'ailleurs elle sera extrêmement rapide. Parce qu'effectivement, dans certains tournois, on a de tout niveau, hein. Je crois que le plus bas elo sur Lich Chess, ça doit être 600 ou quelque chose comme ça, et le plus élevé, évidemment, on a des. Plus de 3100, mais alors là on est dans le GM, on est dans le pro, donc c'est pas du tout l'objectif du stream de cet après-midi. Alors, je vais attaquer sauvagement, hein. Je vais sur. Ouais, c'est bon. Alors on y va. Je remets la fenêtre, c'est correct. Alors l'idée c'est donc effectivement, peu importe l'ouverture, on s'en fout, je vais créer une partie. Je vais créer une partie. Ouais, 800, 700. Alors si Piotr est là et m'entend, il aurait pu me challenge hein, sur une partie en 5 minutes plus 0. C'est d'ailleurs la cadence que je vais prendre. Et on verra l'utilisation de l'ITS ensuite pour la manière d'analyser correctement et avec une analyse automatique des coups inutiles, des erreurs et des grosses gaffes qui ont été commises durant la partie pour les deux joueurs. Alors, je vais prendre 700 et je vais m'arrêter. Ça sert à rien de jouer contre un 2008. Je vais m'arrêter à 1600 ou 1700. Voilà, c'est très bien. On est dans le unrated. Enfin, si vous avez la version, la plateforme en français, ce sera marqué certainement un truc, je sais pas, type non classé ou un truc comme ça. Mais bon, moi c'est casual, mais peu importe. Allez, c'est parti. On va lancer. Eh ben écoute, ça tombe très bien. Il y a un 1000 qui vient d'accepter le challenge. E4. Donc ok, je joue D5 parce que j'aime contester. Donc je vous rappelle, hein, occuper le centre, développer les pièces. On regarde la structure de pion, mais sans roi à l'abri. Et bien sûr, si les pièces sont actives, c'est encore mieux. Je vais jouer cavalier F6. Si pion prend, cavalier. Cavalier prend pas, tiens, j'ai peut-être un coup intermédiaire. Développer les pièces, un des premiers principes. Fou G4. Ah, il a joué trop vite. Je vais proposer de take back. Voilà, parce qu'il perd la dame, évidemment, 1. Ce serait quand même dommage. Il a joué trop vite alors qu'on est en 5 minutes. C'est pareil, hein. Bah, par contre, il faut qu'il accepte. Hein. Parce que là, c'est sur mon temps. La demande de take back, sympathique de ma part. Ok, ça marche. Allez, à moi de jouer. Fou G4. Allez. Donc, menace de prendre la dame. Il a joué un peu vite. Il peut jouer F3. Cavalier F3, ce qu'il vient de faire. Ou fou E2, c'est les trois coups. Là, par contre, j'ai développé une pièce et je peux reprendre mon pion tranquillement. Si cavalier prend, dame prend. Et aucun souci. Voilà. Donc, j'ai développé une pièce gratuitement. Donc c'est toujours intéressant. Donc faut qu'il prenne son temps quand même de réfléchir proprement, correctement. J'ai volontairement proposé une partie en 5, donc c'est bien. Il échange pas, il essaie d'occuper le centre avec son pion D4, c'est très bien. Moi je vais. Alors deux possibilités, soit je joue effectivement E6 pour pouvoir sortir mon fou ensuite, ou alors je joue cavalier C6 tout de suite. Ou C6. Je vais jouer E6 pour développer mes pièces.
Ok, il se développe également, fou 3, pourquoi pas, bien sûr, ouais, c'est pas, y a rien de négatif pour l'instant. Je développe mes pièces aussi, cavalier C6, rien de particulier. Il attaque mon cavalier, et donc mon cavalier ne peut pas bouger parce que il y a mon roi qui est en enfilade. Donc bon, c'est pas très grave si sans lame d'échanger, je reprendrai avec le pion et puis c'est tout, pas de souci. Fou E7, j'ai quand même envie. Alors, deux possibilités, soit j'ajoute tranquille fou E7 et je fais le roque ensuite, soit je la joue fou B4 et puis il va y avoir une double menace sur le cavalier qui lui-même est juste devant le roi. Mais je vais la jouer tranquille, je développe tranquillement pour mettre mon roi à l'abri, l'un des principes de base. Donc aucun souci pour l'instant, il joue correctement, mis à part la grosse connerie du début, mais il a fait take back, donc il a pu rejouer son coup. On est en unrated, on s'en fout, hein, et c'est juste un stream pédagogique, donc on n'est pas là pour, voilà, juste là pour regarder un peu comment ça s'est passé. Évidemment, mon fou est menacé, hein, deux possibilités, soit je joue en F5, mais j'ai plus de pression sur F3, soit je le recule, et c'est exactement ce que je vais faire. Comme ça, je garde la pression sur F3, il va peut-être se sentir obligé de jouer G4, et là je reviendrai, c'est exactement ce qu'il fait. Et là je reviens, et sa structure de pion pour le roque, bah, je la trouve un peu moins efficace que si les pions effectivement étaient tous en H2 ou G2. Alors, pression sur le cavalier. Et sur le fou. Alors, est-ce que c'est gênant? Bah ouais, ça peut être gênant effectivement, parce que là il peut échanger et gagner un temps. Et un pion, est-ce que je peux faire quelque chose? Je vais lui laisser le pion, parce que les pièces ont déjà bougé quelques fois. Moi, je mets mon roi à l'abri. Alors, est-ce qu'il est vraiment à l'abri? On verra après. Mais je mets mon roi à l'abri. Donc, je vais lui donner un pion là. Si cavalier prend, pion prend, fou prend, menace de prendre la tour, donc je suis obligé de bouger. Donc, je lui donne un pion. Alors j'aurais peut-être pu jouer autre chose, mais roi à l'abri. Et puis un pion en moins, ok, il faut que je reprenne quand même. Il peut effectivement reprendre mon cavalier avec son fou ou son cavalier, mais moi je voudrais bien c'est garder ma paire de fous. Là je vais instaurer une menace et fragiliser cette partie-ci. Donc s'il joue ça, évidemment c'est pas possible, cavalier prend cavalier. Donc peut-être tour B1, ou alors peut-être qu'il s'en fout, on va voir ce qu'il joue. Mais son roi là, il n'est pas trop en sécurité, hein. Là, il y a des courants d'air, comme on dit, hein. Donc il faut qu'il fasse attention quand même. Ok, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Bêtise. Bah, et oui, take back. Sinon, je prends le cavalier, hein. Je vous rappelle, il avait joué B3. Ok, donc là, je reprends. Alors, j'ai la paire de fous. C'est pas un gage de gain absolu, hein. Mais ça donne. Alors, là, c'est pareil. Il va être un petit peu embêté. Je pense. Autre possibilité, je peux jouer C6 pour consolider le pion D5. Instaurer une menace directe déjà sur le cavalier qui ne pourra pas bouger. Il a un fou noir, il pourra revenir ici tranquillement. Alors, on va la jouer tranquille. On va respecter les principes de base. L'aspect tactique, on verra un petit peu plus tard. Voilà. Donc j'ai consolidé mes deux pions. Son fouet de case noire, il ne peut pas les attaquer. Ok, il a l'intention de pousser, hein, ce que je comprends. Très bien d'ailleurs. Alors, faut que je fasse attention parce que je suis en train de commenter et j'ai beaucoup moins de temps. Je peux jouer ça déjà pour déroquer le roi. Est-ce que ça m'intéresse? Ou pourquoi pas? Je peux mettre mon fou à l'abri. De toute façon, il va pousser F5, c'est sûr. Ça, il va pousser F5. Est-ce que faut que je fasse attention quand même au temps qui passe. Alors, coup intéressant, ce serait ça. Tour ici, mais il faut faire attention parce que sur F5, je perds mon fou, ça m'embête. J'aime bien jouer ça, mais si pion prend, je suis embêté. Donc, je vais être obligé, j'ai pas envie, de jouer F6. Je suis pas obligé, j'aurais pu jouer H6 aussi. Ok. Alors, là par contre, il faut qu'il fasse attention parce que. Il n'y a plus rien qui défend le cavalier pour l'instant. Il peut pousser, hein, ça me gêne pas. Ok. Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas?
Là, regardez un petit peu. Si je prends, fou prend, dame prend, et je vais avoir un super cavalier qui va être positionné ici. Donc l'histoire des cases, c'est important. Par contre, il va y avoir de fou de couleurs opposées. Il faut qu'il reprenne avec son la dame. C'est quand même mieux, je pense. Et là, il reprend pas bien. Fourchette, tour, dame. Faut que je me. Oula, 36 secondes. Allez, je commande plus, je joue. Enfin, je commente, mais en jouant. Je fais plus d'analyse des coups. Donc là, hop, je gagne une qualité. Ça va être très bon. Et là, je vais commencer à développer encore mes tours qui n'ont pas joué depuis le début. C'est parti. J'ai une qualité de moins, donc je peux échanger. Il peut prendre, je reprendrai. C'est ce qu'il a fait. On va jouer ça. Allez, ce pion-là, il est sur case noire, il ne bougera plus. Allez. Donc là, c'est bon. Avantage noir. Elle n'est pas gagnée, mais avantage noir. On va jouer ça, on va monter le roi. Faut que je me dépêche, 22 secondes. Pion prend, pion prend. Mes pions, faut qu'ils soient sur case blanche. Donc je vais tout faire pour mettre mes pions sur case blanche. Pour pas qu'ils soient attaqués par le fou. Voilà. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je crains? Rien du tout. Tout est sur case blanche. Là. Boum. Allez, faut que je me dépêche. 16 secondes. Allez. S'il prend, j'échange. Allez, hop. Allez. 12 secondes. Hop. Il peut pas m'attaquer de nulle part. J'ai un petit échec intermédiaire. D'ailleurs, je vais prendre. Hop. Et je vais jouer le roi ici. Le pion peut plus avancer. Voilà. Je vais jouer ça. Et ça va peut-être mater ici. S'il bouge sans roi. D'ailleurs, je pense qu'il va être. Attention, attention, j'ai plus beaucoup de temps. 8 secondes. Hop. Voilà. Et je pousse. Et je vais gagner la partie. Mais je la perdrai autant. Voilà. Je la perds autant. Dommage. Ok. Voilà. J'ai été maté, mais j'ai plus de temps pour jouer. C'est bien dommage. La position était nickel. Il aurait fallu que je gère l'histoire du pion qui était là. Mais en tout cas, il a bien joué. Bon, il y a eu deux take back. Mais bon, c'est pas très grave. Maintenant, quand on veut analyser la partie, elle vient de se terminer. Je l'ai dit ce matin, on a des problèmes en ce moment sur l'ICS. En ce qui concerne les parties archivées, on n'a pas accès aux parties depuis à peu près 3 semaines. Donc toutes les parties qui ont été jouées depuis 3 semaines, mis à part quand on les a en direct. Après, sauf sur le téléphone, sur l'appli ça marche, mais sur le site ça marche pas. Donc quand on veut analyser une partie, on la fait généralement rapidement. Donc je vais sur Analyse Board qui est là. Moi je le mets toujours en automatique, si je veux pas c'est comme ça. Là je demande une analyse. Et en bas de la page, moi c'est en anglais, donc c'est Request Computer Analysis, mais pour vous c'est en français, mais peu importe. Et puis, comme je l'ai dit ce matin, dans ce petit tableau qui se trouve là, ce petit graphique, plutôt qu'un tableau d'ailleurs, Stockfish va analyser effectivement de l'ouverture à la finale, le milieu de partie, le nombre de coups inutiles, donc inaccuracies, le nombre d'erreurs et le nombre de gaffes blunder. Moi j'en ai fait 3, j'ai fait 2 erreurs et 3 coups inutiles. Voilà. Et puis ensuite, on peut analyser, on remonte, ça apparemment c'est fini. Ok. Je reviens en arrière, au tout début, et là, l'analyse, elle est automatique. Voilà. Alors, ok, il dit ce qui va pas avec le score hein, de chacun. Plus, je vous rappelle que la position est favorable au blanc, et si c'est un moins, la position est favorable au noir. Donc, il a fou G4. C'est une erreur, j'aurais pu reprendre, mais j'ai pas envie, donc c'est mon droit. Voilà, ok, on va regarder. Fou B4, c'est ce que j'avais présumé tout à l'heure, mais j'ai joué cavalier C6. Ok, donc voilà l'analyse, comment ça se passe. Allez, je vais refaire je vais relancer une deuxième partie. Et puis là, je vais essayer de la jouer un peu plus rapide. On va. Ouais, 5, c'est bien. Allez, on y va, c'est parti. Principe de base, principe de base, principe de base.
Alors, je vais jouer C6, tiens. Peu importe ce que je joue. Voilà, je vais occuper le centre avec mes pions. Il se développe. Fou F4. Cavalier F3, je pense qu'il fera. Il poussera E3 dans quelques instants. Moi, je me développe aussi. Voilà. Les pièces mineures sont sorties. On développe. On développe. Rien d'agressif pour l'instant. C'est juste un développement normal. Je mets mon roi à l'abri. Un des principes, je le rappelle, les échecs. Pour l'instant, rien de particulier. Je vais essayer de jouer sur la colonne C parce que mon fou blanc tape déjà virtuellement sur C2. Donc pourquoi pas. Ce sera pas le cas parce qu'il va échanger, je présume. Il a joué cavalier H4 pour effectivement échanger. Je reprends avec un pion. Et ce qu'on appelle un pion qui va vers le centre, c'est mieux. Enfin, c'est mieux, ça dépend de la position, mais généralement, c'est mieux de reprendre avec le pion H dans cette position que le pion F. Parce que le pion E6 serait un petit peu seul. Donc il a la paire de fous. Il a la paire de fous, il est plutôt correct. Alors maintenant, les plans, ça c'est un peu timide. J'ai plus mon fou blanc, donc je peux plus l'attaquer là-dessus. Donc il va falloir que j'irai quand même, hein, parce que sinon je vais me faire un peu déchirer. Soit je joue C5, et j'essaie de casser cette structure, sachant qu'il n'a pas joué le pion C4. Soit je joue cavalier B6 et j'essaie de, je sais pas, d'intervenir là-dessus et d'avoir une petite pression sur des cases comme ça. Soit je joue dame B6 et j'essaie tout de suite de l'embêter avec l'idée peut-être de pousser C5 après. C'est exactement ce que je vais faire. Dame B6. Ok. Il est plus protégé. Le cavalier n'est plus protégé. C'est pas pour ça que je peux le prendre. Je peux pas le prendre du tout. Mais au moins, voilà. Le pion C a pas bougé et je pense que c'est pas bien pour les blancs, c'est ce qu'on appelle un pion arriéré. Pour l'instant, le pion C, ça peut être une cible potentielle. J'aimerais bien pousser E5 pour casser ce jolie structure là, jolie structure blanche. Par contre, je peux pas encore pour l'instant, donc ça se prépare un peu. Ça se prépare et je peux pas pousser C5, donc je vais jouer tour E8 pour essayer. Si je pouvais échanger, peut-être, ok, il menace. D'accord, il menace effectivement de prendre madame, donc faut que je recule. J'ai pas énormément d'espace. La notion d'espace, elle est importante aux échecs. Plus on a de l'espace, et a priori, plus on a d'opportunités pour créer des combinaisons, agresser, etc., etc. Et là, les blancs ont un peu plus d'espace que moi. Alors. Pourquoi? Alors, le cavalier, il a bougé une fois, il a bougé deux fois, il bouge trois fois. Mon cavalier n'a bougé qu'une fois. Il vise ça. Est-ce que je l'échange ou pas? Ouais, je vais l'échanger. Voilà. Donc, j'échange une pièce qui a bougé une fois contre une pièce qui a bougé trois fois. Donc, bizarrement, bah, ça m'intéresse. Et puis, il a des pions doublés sur la colonne C. Alors, c'est pas dramatique, mais voilà. Si j'échange son fou blanc, un de ces jours, je vais me retrouver avec mon fou noir et lui avec son fou noir. Ses pions, pour l'instant, sont sur case noire et je considère que voilà pour les noirs c'est pas une position qui est désirable. Faut faire attention à ce pion là qui est quand même assez faible. S'il joue par exemple tour B1, il pourra avoir des visées sur ce pion là et pour l'instant je veux que ma structure elle soit quand même gardée et voilà. Alors qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux faire, est-ce que j'ai des choses à jouer? Est-ce que je peux jouer ça? S'il prend idée double ça colonne C, là, est-ce que ça m'intéresse? Je suis pas bien sûr. Faut que je me dépêche encore, il me reste que 50% du temps, je vais me retrouver dans la même situation que tout à l'heure. Mais si échange, je peux pousser C5 après. Ouais, j'ai envie d'échanger son fou blanc, là. J'aurais bien essayé. Je vais jouer ça. Je vais jouer ça plutôt que de jouer B6. Ça me dérange pas qu'il échange. Je garde mon fou noir et lui le sien et je pense que je serai pas trop mal. Voilà. Il faut que je me dépêche un peu par contre. Je joue assez lentement. Alors, le but du jeu, est-ce que je peux commencer à mettre une pression sur cette case-là avec la dame? Ben, on va peut-être quand même, parce que là, s'il prend avec le fou, il gagne un pion. Donc je vais jouer F5 et je protège mon cavalier deux fois. Et là, il peut prendre, je reprendrai avec le pion. Je sais pas d'ailleurs, le pion ici, certainement. Mais dans ce cas-là, il lâche sa paire de fous. Alors, elle n'est pas super active pour l'instant. Il n'y a pas de super diagonale intéressante pour les fous blancs et noirs. Mais bon, voilà.
Il faut que je fasse toujours attention à ce pion là. Voilà. Donc là, par contre, je vais être obligé de le jouer. Je vais être obligé de jouer ça. Si pion prend, bien sûr, je reprends avec le pion, hein. Et je suis pas. Y a pas aucun drame, hein. Franchement, j'ai développé mes pièces. Ma structure, bon, ok, c'est doublé ici, mais elle est plutôt. Ok, là, il me donne la tour. Donc là, c'est super sympa. Salut à l'héros! Il m'a donné une tour, bah ouais, il aurait pu faire take back, hein. On est dans une partie unrated, et puis en plus c'est purement pédagogique. Mais enfin voilà, vous avez pu voir les idées, bon je vais pas retourner sur l'analyse de tout à l'heure, mais globalement, voilà, principe, j'ai mis des pions au centre, j'ai voulu occuper le centre lui aussi, on a développé nos pièces, après il se passe des choses sur l'échiquier, mais globalement on a respecté quand même les principes de base. Et on se retrouve dans une position, bon là il a carrément déconné, il m'a filé une tour et la partie elle est morte, mais. Et donc on arrête là, il abandonne, ça va bien, hein, l'héros et toi. Mais globalement, voilà, on a respecté les choses. Il a joué, je pense qu'il a joué correctement. Sa paire de fous est pas très active, mais voilà. Donc pour les gens qui sont 700, 800, 900 ou 1000 au niveau du rating, il est super facile de progresser rapidement. En respectant ses principes de base de développement, le roi faut qu'il soit à l'abri. On fait attention aux pions, etc., etc. G6 débile. G6, je sais pas si c'est débile, mais G6 c'est ça. Hein. Ok, bah je sais pas, l'héros peut-être, ouais. Bon, allez, je vais en faire une troisième, toujours en espérant respecter les consignes de base. Je sais pas si on voit streamer d'ailleurs là. Un 1500, un 1500, un 1500, un 1500 avec un point d'interrogation. Ok, donc il a, on va quand même vérifier. Il a jamais joué. Alors on va voir ce que ça donne. Allez, D5, c'est parti. D5, donc EK D5, on a déjà eu cette partie là tout à l'heure. Donc c'est sa première partie. C'est bien. Ouais, alors, ouais. Au lieu de développer ses pièces, il a sorti sa dame. Ah, c'est pas que ce soit une faute grave, mais en tout cas, voilà. En général, on sort plutôt les pièces et on regarde effectivement la dame comment elle peut servir effectivement de pièces plus importantes ensuite pour l'attaque, par exemple, ou gêner l'adversaire. Et là, du coup, je peux prendre ou je vais cavalier F6, je vais prendre. Tiens, allez, on va voir ce qu'il joue. Et s'y prend avec la dame évidemment parce qu'il va pas me la laisser. Je pense que je jouerai cavalier F6 pour gagner un temps de développement. Voilà. Bon, en fait, il va me donner un temps. C'est sympa, hein. Les temps sont extrêmement importants aux échecs. Paquito qui faisait son stream et peut-être qu'il a pas terminé d'ailleurs tout à l'heure disait ouais là je viens de gagner un temps ou ah bah là j'ai perdu un temps etc. Donc c'est extrêmement important. Je pense que mon adversaire a quitté la partie. Voilà. Alors, bah, il a quitté la partie, claim victory, c'est-à-dire que je réclame la victoire. Bah, il est parti, il a cru que je sais pas quoi. Donc voilà, je gagne, mais j'ai rien demandé, quoi. J'ai rien demandé. Alors. Eh ben, allez. Un autre candidat. Un 16-48. Donc là, faut jouer quand même plutôt sérieux. Hein. Je rappelle que globalement, allez, je vais jouer E4. Allez, hop, un pion pour occuper le centre. Ok, 4-5. Allez, on va pas jouer théorique. On va jouer des choses qui sortent. On développe les pièces. On regarde la structure. Voilà. Ah là, par contre, je peux peut-être jouer F4 pour agresser. Mais moi, c'est mon côté méchant. Hein. J'ai joué F4. Voilà. Il menace de prendre madame. Donc, je protège. Ok. Alors, là, deux possibilités parce que. Parce qu'il y a le clouage, hein, si mon cavalier part, effectivement. Alors, il y a des choses particulières aux échecs. Il peut y avoir des sacrifices de fous, mais ça va pas marcher là. Mais je pense que peut-être, si je joue cavalier G5, et qu'il fait fou prend dame, il peut y avoir fou prend échec. Il peut jouer. Ah non, il peut jouer là. Sinon, il y aurait eu mat. Sinon, il y aurait eu mat. Je regarde, je viens ici. Hein. Cavalier G5. Fou prend dame. Fou prend échec.
Roi. Roi. Ah, il peut jouer là. Ici. S'il joue ici. Non, il y a le cavalier, donc c'est débile. Tant pis. Allez, je roque. Je mets mon roi à l'abri. Je vais donner ce qu'on appelle une qualité. Mais c'est pas grave. C'est pas gênant. Enfin, c'est pas gênant. On peut en avoir peur, mais c'est pas gênant. Qualité, ça veut dire que j'ai donné une tour contre une pièce légère. Alors, est-ce que je suis mal pour autant? Bah, pas du tout, non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, je vais essayer de, hop, de dynamiser ma position et je vais essayer de la dynamiser en contrôlant ce pion F7, en essayant de jouer sur les pions du roque, parce que j'espère que son roi va se mettre à l'abri. Voilà. Comment je peux jouer ça? Je vais pousser. Ouais, je sais pas, je vais voir. Tic 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 tic. Si je prends, il reprend avec le cavalier. Je suis pas super bien. Je vais pousser quand même. Ouais, je vais pousser, je vais de l'embêter. Je vais même essayer de l'embêter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que je pousse. G4, G5, mais ça se prépare. Ça se prépare et pour l'instant, j'ai pas de quoi faire. Par contre, je peux jouer ça. Je peux jouer ça pour mettre de la pression sur C7 et le fou qui est là. Ok, on va jouer ça. Voilà. Et là, je vais pouvoir pousser mes pions méchamment, violemment. Et pour l'agresser. Donc, j'ai une qualité de moins, il faut que je joue dynamique. Si je joue pas dynamique, en finale, ça risque d'être chaud. Mais j'ai quand même un gros avantage. Un gros avantage. J'ai un avantage qui est la paire de fous quand même. Qui a les yeux braqués sur cette partie-là. Et après, il faut jouer, évidemment. Hein. Mais voilà. Donc, faut que je fasse attention. Je suis encore en manque de temps. Ah, il a peur. Il a peur. Et je pense qu'il a raison d'avoir peur. Parce qu'il a beau avoir une qualité de plus. S'il n'en fait rien de sa qualité. Allez, hop, on va commencer à bouger. Je menace de se faire fou. Prend F7. Donc, il faut qu'il réagisse. Alors. Comment on peut jouer? Il faut que ma tour, parce que si je pousse tout de suite, je suis pas sûr que ce soit correct. Si je pousse, il peut pas prendre bien sûr de ce pion-là. Il y a le roi derrière la dame, donc il serait obligé de prendre comme ça. On va essayer de ramener une pièce supplémentaire, comme par exemple si je viens à la tour F3 ici pour agresser H7. Allez, c'est parti, il faut jouer dynamique. Pas de souci. Et là, ah bah là par contre il y a un petit piège. Si je pousse ici, il va par contre avec la dame, il va être obligé de jouer H6, et je peux faire fou prend H6, pion prend, dame prend échec, et roi menace de mat. Et c'est exactement ce que je vais faire, c'est parti. Il a pas fait attention je pense. Et sinon il y a mat direct, hein, mat en 1. Effectivement, dame prend H7, cette case-là elle est contrôlée par le fou, donc évidemment. Voilà. Allez, le plan est simple et ça mate. Voilà. Bon, ben il a fait. Alors, faut faire attention, hein. Il a une qualité de plus. Par contre, ça joue pas. Ça, pour l'instant, c'est pas très très actif. Moi, sur le roque, il y a un fou, une tour et il y a le fou que j'ai sacrifié en H6. Donc tout était braqué sur le roque adverse. Donc voilà. En gros, hein. Si on a une qualité de moins, si on a un pion de moins, etc. Si on attend la finale, ça risque d'être compliqué quand même. Donc après, rien n'est jamais perdu en milieu de partie et rien n'est jamais gagné. Mais globalement, c'est plus facile à jouer quand on a une qualité, quand on a une paire de fous, par exemple, quand la position elle est bien ouverte. Ou sinon, faut jouer actif et dynamique. Dans le cas contraire, ça risque d'être compliqué. Et là, c'était très 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 actif. Bon, il aurait pu jouer autre chose et pas se faire mater. Et pas se faire mater comme ça en 22 coups, mais il est combien? 17, 11, 17, 48, 16, 15, 18. En bullet, il est quasiment 1900. Donc il joue quand même, quoi. Voilà. Je vous rappelle, hein, les classements, c'est en gros, débutant, ça va jusqu'à 12, 13, 1400. Ensuite, moins 1600, on commence à jouer un petit peu. Un joueur de club confirmé, il est entre 16 et 1800, mais plutôt vers 1800. Et on dit en général qu'à partir de 2000, on comprend quand même déjà un petit peu ce qu'on joue et c'est pas trop mal. Mais bon, voilà.
Après, ça dépend de la cadence de jeu. Là, on est en 5, donc on a le temps de regarder un petit peu le bullet entre 1 minute et 2 minutes plus 1 seconde d'incrément. Là, c'est juste pour se détendre, on ne progresse pas, il n'y a pas d'idée particulière, ou c'est juste pour le classement. Mais globalement, voilà, il n'y a pas d'idée de. C'est pas assez. Il n'y a pas assez de réflexion, c'est pas suffisamment long comme cadence pour pouvoir progresser dans des bonnes conditions. Allez, je cherche un nouvel adversaire. Et puis je regarde si tout va bien au niveau. Je vais sur ce. Hop, hop, hop. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, un 16-60. J'ai joué E4 tout à l'heure. Je vais jouer. F3, pardon. Hop, allez. F3, donc pas de coup théorique. Hein. On ne peut pas apprendre tout ça dans les bouquins parce que ça existe certainement, mais. Ah, je pense qu'il est parti. Ah, non, mais il n'a pas joué. Peut-être qu'il y a des problèmes de connexion. Gambit G. Ouais, ok. Allez, Gambit G. Il te reste 2 secondes. Sinon, je prends un nouvel adversaire. Ah, dommage, t'as pas voulu jouer sur F3. C'est parce que je suis 2145, hein, faut pas avoir peur. Hein. Je fais autant de conneries, voire plus que les autres. Hein. Voilà. Il y a les 2800, 2600, 2000, je sais pas combien, on fait tous des bêtises. Un 1200 débutant. J'ai dit que je joue F3, je joue F3. Allez, c'est parti. Là encore, j'essaie de respecter les principes de base avec un pion F3 qui va me donner du fil à retordre. Donc c'est pas forcément un conseil de jouer ce type d'ouverture quand on débute, parce que ça crée plus de soucis. Voilà, le premier souci, ça m'est arrivé ce matin, effectivement, ça va être compliqué de roquer. Je suis obligé de jouer des trucs tarabiscotés là. C'est même pas bon ce que je joue d'ailleurs. Hop. Je vais essayer d'échanger son fou noir pour me libérer un peu. De toute façon, il est obligé d'accepter l'échange parce que Jopo il peut le mettre. Il va pas sacrifier en F2. Hein. Ok, c'est bien. Par contre, il va développer une pièce. Il développe une pièce, donc il ne le reprend pas gratuitement. Allez, c'est parti, moi aussi. Allez, on va dynamiser tout ça. Et c'est pas super bon F3, je le concède. Fou blanc, fou blanc, fou blanc, fou blanc. Ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de me donner du temps en plus. Oui, qu'il a pété un câble, hein, je pense. Hein. Il est possible de donner. Ouais, t'énerve pas. Je sais pas pourquoi il joue ça. C'est un gamin, peut-être j'en sais rien, il s'amuse. Donne 20 minutes. Allez, on va jouer. Je pense qu'il va se faire un peu kicker, non? Il n'y a pas un modérateur qui traîne dans le coin. Je lui demandais gentiment d'arrêter. Voilà. Bon, à moi de jouer, du coup. Alors, G4, G4. Ouais, ok, il abandonne. N'importe quoi. Il a joué combien de parties? Je vais regarder combien il a joué de parties pour être 1909 en bullet. Ouais, il a joué 2 parties, donc oui, il a perdu les deux, donc il a perdu 300 points, parce qu'on commence à 1500, je crois, sur l'e-chess. Il a perdu 300 points en 2 parties, donc il n'a pas forcément joué contre des très très forts joueurs, mais en tout cas, il les a perdus. Allez, c'est parti. Je vais faire une dernière, et puis on verra ensuite. Pas de questions dans le chat, je sais même pas combien vous êtes à regarder d'ailleurs. Mais alors, un 1500 débutant, en tout cas nouveau compte, je vérifie, j'aime bien savoir contre qui je joue moi. Oh, il a jamais joué. Ok, allez, Scandinavian. J'aime bien, ça dynamise un peu. Ah, il prend pas, il pousse. Eh ben, on va développer. Principe de base, on développe. Occuper le centre, c'est ce qu'il vient de faire avec son pion. Je consolide D5 tranquillement. Je pousse C5 parce que je. Ouh, menace de prendre la dame. Dame B6, attaquant B2. Rien de particulier pour l'instant. Hein. Tout ça, ça s'est déjà vu 10 000 fois dans les parties. Cavalier C6. Il prend. Je reprends avec le fou parce qu'il y a des menaces d'échec, donc de gagner un pion en F2. Donc il doit faire quelque chose. Donc pièce D. Ah, et ben il me donne un pion. Pourquoi? Parce que si fou prend, ben,
pion prend obligatoirement, hein. Ben, je pense, il n'y a pas de piège. Donc dame prend, échec, et je gagne un pion. Eh ben, je prends le pion. Voilà, donc il est obligé, hein, sinon c'est fini. Dame échec. Là, donc j'ai un pion de plus. La partie n'est pas gagnée, mais je me sens plutôt pas trop mal. On développe les pièces. Est-ce qu'il y a un piège quelque part? Est-ce qu'il menace des choses? Pour l'instant, il menace pas grand-chose. Il peut pas roquer, hein, parce que madame, elle contrôle cette case-là. On va jouer cavalier 7 pour pouvoir roquer tranquillement. Cette case-là, elle m'intéresse, mais je vais mettre mon roi à l'abri quand même. Allez. Voilà, cette case elle m'intéresse parce que je vais certainement jouer une tour sur la colonne C, ensuite cavalier B4, pour même pas cavalier B4, attaquer plusieurs fois. Le roi peut pas bouger. Le roi ne peut pas roquer, donc il va falloir qu'il trouve une solution. Hein. Et parce que moi ça va arriver vite. Hein. Alors, C4. Donc il est agressif alors que son roi n'est pas protégé. Et ben, je voulais jouer la tour ici. Je vais jouer cavalier pour attaquer ici ou ici. Donc une superbe case. Le fou contrôle tout. Est-ce que j'ai besoin de reprendre tout de suite ou est-ce que je peux agresser? Ouais, il y a mat. Enfin, il n'y a pas mat, mais si, il y a mat d'ailleurs. Échec. Pourquoi il y a mat? Alors, regardez un peu la position là. Il vient de prendre ici. Si je joue cavalier échec. Alors ouais, il a pas 50 000 cases, hein. En plus le fou peut pas prendre parce qu'il y a madame. Donc s'il joue cavalier échec, le roi est obligé de venir ici. Le cavalier sera là et je fais mat. Voilà, hop. Donc le roi à l'abri, un des principes de base dont j'ai déjà parlé ce matin et tout à l'heure. Donc la partie est terminée. Voilà. Terminée en 14 coups. Et pourtant j'ai rien fait de particulier. Voilà, j'ai juste respecté ces fameux principes de développement, occuper un peu le centre, pièces les plus actives possibles, etc., etc. Voilà. Bien, en tout cas, j'espère que pour ceux qui ont regardé, j'espère que ça vous a été utile. Je referai certainement sur d'autres thèmes. Là, c'était les principes de base aux échecs et spécialement pour les débutants, mais voilà, les parties que je viens de montrer là, c'est simple, hein. Il n'y a aucune complication. J'ai développé mes pièces. Bon, il y avait des petits aspects tactiques, etc. Mais voilà, il m'a donné. Bon, il certainement débute, hein, 1491, 1330. Il est 1005 avec 7 parties, donc il a perdu, à mon avis, les 7 parties ou 6 des 7 parties. Et puis, il commence à peine à jouer en blitz, donc voilà. Et il a joué, à mon avis, un peu vite, c'est ça aussi, hein. 5 minutes, on a le temps de regarder, ou en 3 plus 2, on a le temps de regarder, de placer ses pièces, quelles sont les menaces, est-ce que mes pièces sont actives, qu'est-ce que je peux faire, essayer de comprendre pourquoi on joue tel ou tel coup, tel que je viens de le montrer à l'instant. Voilà. Moi, j'ai joué beaucoup plus lentement, hein, mais comme je suis en train de streamer en même temps, effectivement, on joue beaucoup plus lentement pour avoir la possibilité d'expliquer les coups sur lesquels on se positionne. On appelle ça des coups candidats. Voilà. Les coups qu'on envisage de faire sont des coups candidats et en général, on évite d'en avoir 50 parce que sinon on passe une heure à réfléchir sur un coup. Mais on dit qu'avec deux ou trois coups candidats, quand on hésite, on regarde un peu quel est le meilleur des deux ou des trois et forcément on progresse hyper rapidement. Voilà. En tout cas, oui à l'héros, un mat en F2. Donc j'espère que ce stream vous a été utile. Je vais l'arrêter là pour l'instant. Et puis je vais rester un peu sur l'Itchess, faire d'autres parties. J'ai des notifications, je me suis peut-être inscrit à des tournois, j'en sais rien. Il y a qui? Ok. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé pour ceux qui ont regardé. On se repositionne. Et puis merci à tous. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Salut.